Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR. Réaction FR, c'est quoi? C'est qu'on regarde ensemble, on analyse, on fait des réactions et on fait des reviews de différents clips de vidéos, de musique, de différents styles, mais j'ai décidé de me spécialiser plus dans le rock, dans le métal, pour la simple et bonne raison que c'est mon choix de prédilection, mais on voit ici, je vais y aller aussi une fois dans les musiques plus pop, dans le K-pop, aussi dans le faire comme un peu des chansons à voix comme Tinashe Grybergen. Et puis, aujourd'hui, on va faire. Ils viennent de sortir un tout nouveau clip. C'est un groupe qui a un gros buzz depuis 2 ans sur cette bande-là. C'est un groupe qui vient de l'Inde, donc c'est un groupe indien. Et puis le groupe se nomme Bloodywood. Bloodywood, c'est un jeu de mots avec Bollywood. Bollywood, c'est la scène cinématographique indienne ou hindi. Autrement dit, c'est quand on va regarder des films indiens, disons sur Netflix, ou des séries indiennes sur Netflix, puis là, ça commence à chanter, ça danse, des chorégraphies avec beaucoup de couleurs, tel que ça, ce genre de cinéma-là, on appelle ça Bollywood. Et puis, c'est un peu pour un genre de jeu de mots avec Hollywood, là. Donc, c'est ça, cette scène-là, où est-ce qu'il y a beaucoup de des chorégraphies, où est-ce qu'il y a beaucoup de musique, etc., dans un film. Bon, c'est soit des films qui vont être soit historiques, soit romantiques, ou soit des films d'action. Et puis, on appelle ça des films de Bollywood. Et puis, justement, il y a un groupe metalcore, metal extrême, mais quand même mélodieux, puis qui mélange aussi du folk metal. Et puis le groupe se nomme Bloodywood. Et puis ils viennent de sortir un tout nouveau single ou un tout nouveau clip là, qui s'appelle Yad. Et puis attachez votre tuque parce que ça dure 10 minutes. C'est un clip de 10 minutes. Fait que c'est ça, fait que je vais fermer ma grand-mère. Ou avant toute chose, si vous voulez écouter le clip complet, les vidéos critiquées, et puis vous allez sur ma chaîne, et puis tout ce que vous faites, vous allez sur sur ma chaîne YouTube, et puis vous allez regarder les vidéos critiquées, je veux dire la liste de vidéos critiquées, puis ce clip-là va être dedans. Fait que on part ça direct parce que, hey, 10 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que justement, vous allez voir, Bloodywood utilise plein d'instruments traditionnels indiens. Puis il y a des mélodies justement traditionnelles. En tout cas, vous allez voir. De vidéos émotives avec des paroles là, avec plein de significations, et puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais puis ça va être un genre de balade comme on peut voir. For the better, lost, but they made me better. Had to feel love to feel lost. Yeah, I feel that now more than ever. You're never gonna be lost. Your fire burns beneath the frost. An empire built between my thoughts. Crisscross across the line that can't be crossed. A million memories in this melody singing to me. Smile, this is the way it's meant to be. C'est ça, c'est que je sais pas leur nom, je pense, et si je me trompe pas, là, sur Wikipédia, le chanteur Karam Khatia, puis Jayan Bhadhula. Et puis,
Il y a un des deux chanteurs, le Razé, lui, il chante en anglais, puis c'est lui qui est plus un peu rapper, qui est un peu plus new metal, si vous préférez. Puis, il y a le deuxième chanteur, peut-être Jayan Badula, je ne sais pas c'est quel des deux, là. Et puis, lui, il chante en indien, en hindi. Et puis, c'est lui qui a une voix, il est plus metal traditionnel, metalcore. Fait que, t'sais, ils font comme un bon mélange entre les deux. Puis les deux, ils ont une bonne voix, là. Puis tous les musiciens sont excellents dans ce band-là. La réalisation du clip est excellente, c'est émotif au bout, ça va chercher des. Ça te fait passer des frissons quand tu lis les paroles en même temps. Le gars, et tu sais, le gars qui rappe plus exprime une émotion. Puis c'est plus, comment je peux dire, une émotion qui est plus rough, tandis que le chanteur, celui avec les cheveux longs, est plus émotif. Puis il va plus, puis il va chercher une mélodie là, qui vient de chercher là, dans tes tripes. Je viens d'allumer là. Ça a l'air d'être une chanson en mémoire d'un chien. C'est donc bien. C'est dans le fond, tu sais, quand je vois dans tes yeux l'amour inconditionnel, etc. C'est une ode d'amour envers son animal domestique. C'est un homme ou une femme. En tout cas, c'est une personne. Qui chante cette chanson-là, ces paroles-là, à son chien, qui aime son chien. Puis, OK, puis là, son chien, il est mort. Fait que là, lui, dans le fond, ça, c'est tout il se filme avec son chien, son animal domestique qui est mort. Je le sais, c'est quand un de nos animaux, tu sais, quand ton chat ou ton chien meurt, ça vient de chercher tellement profondément. Je me demande où est-ce que ça s'en va, parce que hey, on n'est même pas à 4 minutes, puis c'est un clip de 10 minutes. Parfois, ce genre de. Là, ça vient plus chercher encore que. Tu sais, des chansons un peu des love songs, là. Ça, c'est vraiment un hommage à nos animaux domestiques qu'on a aimés, puis qu'on pense encore à eux autres, malgré. Parce que, tu sais, les animaux domestiques, que ce soit autant un chat qu'un chien, ça vit moins longtemps que nous,
Mais tu sais, quand tu es un maître, puis que tu es aimant, on dit que tu aimes ton animal domestique, ben souvent, il va vivre, là, tu sais, disons un chat, tu sais, moi, j'ai fait euthanasier deux de mes chats, un à 14 ans, puis un qui avait 13 ans, les deux, un qui avait un cancer dans la bouche, puis un autre qui avait eu une maladie. Puis j'ai fait la demande quand j'ai fait euthanasier, j'ai fait la demande d'être présent, tu sais, pour être présent avec mon animal domestique. Puis je pense que si vous aimez votre chien ou votre chat, même si c'est difficile, faites la demande à votre vétérinaire d'être présent lors de sa mort. Puis vous allez voir que ça va vous délivrer. Autrement dit, vous allez sentir, vous allez le voir que lors de sa mort, que son esprit n'est plus là, c'est seulement un corps. Et puis ça atteignit les émotions. J'ai pleuré comme ça se peut pas quand l'un qui s'appelait Tigre, puis l'un qui s'appelait Fille. Puis quand j'ai fait, hey, j'ai jamais braillé de même. Même mon père est mort, puis j'ai pas pleuré de même quand il a fallu faire euthanasier mes chats. Parce que, tu sais, c'est ton chien ou ton chat, tu le vois tous les jours. Tandis que tes amis, ou tes parents, ou ta soeur, t'es aimes beaucoup, c'est de l'amour inconditionnel, mais tu les vois probablement moins souvent. Tandis que ton chat, quand tu arrives chez vous, ou ton chien, il est là. Tu comprends? Puis, c'est un peu ça, le diable. C'est ça qu'il a de l'air à raconter, ce film-là, finalement, c'est vraiment original, puis c'est vraiment. Together, do you remember when I said I would love you forever and you caught it would only last as long as we were together? Avec l'amour inconditionnel dans tes yeux. Parce qu'un animal, même si tu ne sais pas ce qu'il pense, il semble avoir un amour inconditionnel envers toi. Il y a le gars de narrage vraiment, là. Puis il est vraiment en peine de. Un gros deuil. Puis je pense que les deuils les plus intenses, c'est les deuils qu'on a quand notre chien ou notre chat meurt. Tu sais, je pense que j'ai jamais souffert de même de ma vie. Mais c'est pas un deuil qui va durer, perdurer dans le temps. Tu sais, c'est des deuils qui sont très intenses. Mais comme je vous dis, si vous voulez passer un deuil qui va être moins culpabilisant en étant présent lors de sa mort. Puis la dernière chose qu'il va voir lors de sa mort, c'est son maître qui l'a aimé et qui a pris soin de lui. Alors, on est dit. Puis ça vous libère. T'as pas l'impression d'avoir abandonné ton chien ou ton chat. Hi guys, this is Karan. I want to thank you for watching this video. Yaad, which is Hindi for in memory or remember, is a song about overcoming the loss of a loved one. As a dog. Ok, fait que là, ça là est un documentaire là, sur les animaux. Ok, c'est ça, c'est comme dans le fond, c'est un ode à un animal domestique.
qui décède. Et puis cette chanson-là, c'est pour rendre hommage à nos chiens, à nos chats que nous avons aimés pendant notre vie, puis qu'on a pris soin d'eux, puis qui sont décédés de différentes façons, tu sais, parce que un de mes amis, son chat, il est mort, s'est attrapé par un auto. Ça peut être une maladie, ça peut être qu'il fait une indigestion, quelque chose, genre. C'est spécial, ça. Tu sais, puis c'est vraiment un beau vidéo, une bonne chanson. C'est original. C'est original. Pensez à ça, un band métal qui chante une ode aux chiens. C'est vraiment trippant. Bon, mais Colin, c'est ça. Fait que c'était ma chronique pour Bloody Wood, la toune Yad. Yad, peut-être que c'est le nom du chien. Mais puis c'est ça, c'est un excellent clip. Très bonne chanson. Puis comme vous pouvez voir, tous les musiciens sont top-notch, là. Puis ça sonne bien. Ça me fait penser un peu à un genre de Limp Bizkit, là, mais plus élevé puis indien. Pas Limp Bizkit, je veux dire Linkin Park, excusez-moi, pas rapport là. Mais encore là, il y a un petit peu de Limp Bizkit avec le rapping, là. Ça rappe un peu au salaire. Linkin Park, ouais. Plus Linkin Park, avec un son plus rough. Puis avec des mélodies indiennes à l'intérieur, vraiment là, c'est excellent. Fait que c'était ma critique pour Bloodywood Yard. Et puis je vous remercie d'avoir écouté cette émission. C'était Réaction FR. J'en prépare un autre dans pas long, un nouveau clip. Et puis si vous aimez ce que je fais, j'oubliais, si vous aimez ce que je fais, vous faites abonnez, faites la petite cloche, tout de même. Puis là, ce que vous allez voir, vous allez recevoir dans le haut, dans votre petite clochette, à chaque coup que je vais sortir une vidéo, vous allez recevoir une notification. Et puis, c'est ça. Bonne journée ou bonne nuit, tout dépendant de ce que vous êtes.